Les enjeux du numérique en Méditerranée et en Afrique sont souvent, et c'est pour ça qu'on est là sur les questions de coopération décentralisée notamment, des enjeux similaires à ceux qu'il y a dans tous les pays de Méditerranée, pas uniquement dans les pays du Maghreb et de l'Afrique. Donc une fois qu'on a dit ça, la situation reste complexe, évidemment, à la fois parce que ce sont des outils qui se déploient inégalement dans les territoires, à la fois en termes de connexion, mais également en termes de services et d'usage. Et donc, à Ville Internet, on promeut en priorité tous les services qui vont aider à exercer la citoyenneté, donc l'accès aux droits, en priorité, donc tout ce qui touche à l'administration, tout ce qui touche aux données ouvertes, notamment des données ouvertes pour animer le débat public, mais également aux données qui vont faciliter le vivre ensemble et la vie quotidienne dans les collectivités, que ce soit dans les grandes métropoles, comme Marseille, ou dans les parties rurales de ces métropoles, ou à l'extérieur évidemment des métropoles, voire dans des territoires dits périphériques. Et finalement, nos territoires périphériques sont aussi des territoires de relations en coopération internationale avec d'autres pays où les difficultés sont souvent du registre de la régulation, du droit, des questions de gouvernance, plutôt de gouvernement, que ce soit des gouvernements nationaux ou locaux. Et c'est dans ce sens-là qu'on accompagne notre partenaire, la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales du ministère des Affaires étrangères français, pour créer du lien entre des collectivités connectées, au sens où elles proposent des services numériques à leurs citoyens dans les territoires, et ce sont les villes Internet qui sont des leaders en France, les pionniers du développement des services numériques locaux, des territoires frères ou sœurs dans d'autres pays qui sont d'autres collectivités qui offrent également ce type de service ou qui voudraient l'offrir mieux ou différemment. Et en fait, il y a un lien entre ces territoires qui se créent qui est également du lien social.